Allez, on voit pas très bien, mais je vais commencer avec le petit Ripple Shad Prairie Guide. Donc une petite taille, ils sont partis sur des grosses tailles eux. Du coup je vais voir si... Mais on va essayer de pêcher différemment. Alors regardez mon agrafe. C'est une agrafe pour le silure. Mais j'en avais pas d'autres. Voilà. Voilà l'histoire. Mais moi je teste les gars la Combastic Ghostbassa Volkien. Ils viennent de sortir ça cette année. Donc mais on va tester ça. C'est un combien le grammage? C'est une 40-150. Donc normalement c'est un bon coup. Ouais. Allez, premier lancé de l'année. Oh bah ça lance pas beaucoup. Allez, premier lancé, brochet métré, c'est bon, on peut rentrer. Ce serait sympa, non? Oh, poisson. Direct. Ouais, voilà, tu vois. T'as vu les zones à bibi. C'est beau, non? Non, ça va faire 50, 60. Je viens de baptiser ma canne. Ah, ça y est. Bon, mais Axel a à peine lancé sur le spot. Et, je te vois pas dire où c'est. C'est pour ça que je ne filme pas le spot. Super, ça, Alex. Axel. Bon, ça pas venir non plus. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça pourrait être? Un petit paiki. Oh, paiki, paiki. Vraiment le petit tour. Eh bien, c'est le premier quand même. Le premier. Hein? Le premier. Ça fait plaisir. Shutterbait. Shutterbait. Voilà. Le Wild Leader chez Megabass. C'est un peu mon leur fétiche. Ah, super. Nous renvoyer la madre. La grand-mère même. Ouais. Bien joué, Axel. First fish. C'est bon, ça. Par contre, c'est pas la même. Plein démontage. Pas gros, mais pas d'accord. Bon, shutterbait, hein. Super ça. Okay. En tout cas, ça combien bien. Ils ont les watts, hein. GG, super. Bien joué, gros. Bonjour au Shutterbait, super. En pleine noyée. Un beau poisson de bacano. Super, bien joué. Nice job. Oh, j'ai failli faire un nœud. Oh, raté. Ouais, poisson. Ah non, raté. T'es sérieux? Waouh. C'est une perche, peut-être. Poisson. Un petit sujet qui est venu. Oh, pff, au bateau. Oh. Bien joué. Et c'est un poisson quand même, hein. Ouais, c'est un poisson quand même. Changement de leur pays. C'est vrai. Spinner bait. Ça fait 3-0-0. Ouais, t'as vrai. Vu en dessous, ils sont magnifiques, ils sont superbes. Ils sont beaux, hein. Il a des traces. Oh, il est vénère, mon gars. C'est ça. Le pire, c'est que ça prend du fish. La dernière fois, il me dit oh, il est 3 minutes, il a fait, je fais une palette, je sors une palette, et puis une palette, ouais. Jamais, il fait quoi? Tu as lancé? Ouais. Poisson. C'est bon ça. J'ai une perche. Ouais. Et ben, je suis pas bredouille, les gars. C'est bon. Yata! Voilà, une zizi perche. Ah ouais. Voilà. Petite perchinette.
Va-t'en vite, chenapan. Fiche encore ? Ben oui. Spinner ? Spinner. Le gros ? Non, c'est un pince encore 45. C'est tout. Ah ouais. Désolé, hein, je choisis pas. Non, mais c'est vraiment, un 45, c'est... C'est gentil, quoi. Ah oui, non, je suis pas menteur. Nice. Oh, ça fait 60, hein. Je sais pas. Bah, c'est lourd, ça c'est énorme. Travailleux, parce que j'ai préparé une machine. Je sais pas ce que c'est. Bah, c'est ça donne pas un coup pike. De tête, ça me met rien. Non, c'est un petit pike. Petit pike. Je l'ai repogné ou quoi ? Non, ça le teco. Ah si, ouais, chelou. Ah si, il a loupé son attaque. Ah ouais, chelou, hein. Ah ouais, franchement. Vas-y, tu mets l'épisode pour prendre la ligne, là. Hop, c'est super. C'est malin. Cool. Super. Ouais, allez, 58. Ouais. Oh. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est mis derrière l'épisode. C'est cool, bien joué, gros. Non, j'ai bouffé toute la verpille. Non, normalement, c'est une zone où il n'y a pas d'herbier, je crois, il me semble. T'en as ? Parce qu'il y a par là, il y a une zone où il n'y a pas d'herbier. Fiche. Ouais, je viens. Possiblement perche. Décroché, je crois, non ? Décroché ? Non, elle est dessus. Je sais pas. C'est comme moi, tu vois, c'est un peu mort, c'est le petit brochet. Ça a l'air pas mal, hein. Un petit brochet. Ils font le poids mort. Holy place. Oui. Bien. Ah, il s'est décroché. Parfait. Merci, monsieur. Bon, premier pike. Voilà, une flutelle, comme on dit dans le jargon. Mais c'est un pike quand même. Il est déjà plus gros sur la photo. Ouais, tu m'étonnes. Je tends les bras. Nickel. Oh. C'est bon, celle-là elle est trop bien. Elle est chouette, ouais. Ça c'est celle-là que je vais mettre là. Juste à côté du truc là. 95, il était là. Ce canasson. Il était ici là. Il m'a mis une étape, mon gars. Pour. Violent. Ah. Enfin. Ah, c'est pas gros, hein. Il l'a eu. Il l'a eu, son poisson. C'est pas gros, les enfants. C'est pas gros, mais c'est un poisson quand même. Et c'est le huitième. C'est un petit cliff quand même. Allez, viens. Viens. Ah ouais. Ouais. En fait, il pêche au 3D pike. Voilà, petit poisson dans les plusettes. Il s'est fait croquer. Ouais. Mais non. Pas là l'instant. Montre. Ah ça les entrailles puissées. Ah, ouais. C'est ah oui, frais. Violent. Pouah. Tu vois, par le dos comme ouais. Ça. Il s'est fait attraper, saisir. Et bouge pas. Par la tête en plus, je pense. Bon. Pouah, c'est fait. Bon, allez. Allez Zizi. Va-t'en vite. Il a de la chance. Va grandir. Il a de la chance. Ça se trouve tu viens de le sauver, ça se trouve. Ouais. Il m'a tapé dessus. Ils sont vraiment fous, ces pics. C'est pas senti encore. Non, moi non plus, je l'ai pas piqué. C'était pas gros. C'est pas possible. Fiche. Ah, bien. Pas gros. C'est pas gros. Non. Voilà. Oh les décrochés, tant mieux. Au revoir petit poisson. Touch leader, merde, il n'y a plus de poisson. Il était chaud. Hein? Il était chaud avec les puissettes. Ah, il était OP, tu vois. Oh, fiche. Non. T'es sérieux? C'est beau? Faut arrêter le moteur. Coupe le moteur. C'est pas mal. Allez, le dixième. Ah, je sais pas. Plus court, je fais en plume.
de coup de tête, ouais, il s'ouvre la bouche et... Ouais. Un zizi quoi. Et t'as du leader le dixième. C'est bon ça. Allez, il est à peine 9h30 et on est déjà à presque à 10 poissons. Bon, c'est vrai que Axel nous met beaucoup de poissons dans la tête. Mais bon, c'est cool, on prend beaucoup de poissons vibration, spinner, shatter. Et là, il vient de se faire casser sur un gros brochet, je pense. Donc, mais on continue, hein. C'est parti, les gars. Ça fait plaisir. C'est l'ouverture. Et toi, ça se passe comment, hein? Dis-moi dans les commentaires, comment s'est passée ton ouverture? Feu. Bon, par contre, je vais... Voilà. Ouais, c'est beau, c'est une perche. C'est une belle perche. Belle perche, non, ça combat plus, peut-être brochet. Ça a l'air d'être un brochet. Ouais. Ah non, c'est une perche. Oh, il y en a derrière, il y en a derrière. Oh, il y en a. Ouais, attends, j'arrive. Wafi, ouais. Bien, papa. Bon ça. Nice. Je vais de l'autre côté pour pas vous embêter. Holy place. Ah, c'est une belle perche. Hein. C'est une belle, belle perche. Ça, ça vaut photo, ça. Et c'est gros. C'est une perche. Non, c'est un bass, c'est un brochet. C'est maillé, non? Wow. Oh, il est vénère en tout cas. Ah ouais, mais ça va. En même temps, j'avance moi. Eh, c'est pas gros du tout même. Le spinner. Hop, jeté. Voilà, le Dex. Plomb, enfin c'est même pas du plomb, c'est tête plombée en tungstène. Et voilà. Propre. Nickel. Voilà. À peine maillé. À peine maillé. Voilà. Super. Ça fait plaisir. De ouf. Et tu vois dans les cailloux. Les cailloux, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça veut rien dire en fait. Il n'y a pas d'herbe. Tu vois? Non, pas bien. Multivision. Ah, c'est une perche. Oh, bien, c'est une belle perche. Oh, derrière, les gars. Elle y est encore, Bien joué, ça, gros. Oui, monsieur. Voilà, belle perche avec un jerk. Le jerk bait aussi, début de saison, c'est pas mal. Hein. Nice. Ouais. T'imagines, ça en va plus. Ouais, mais c'est pas possible. C'est long. Pêcher au swim, quoi.
Tu mets sous les aisselles. Après, elle est bien ta... Oh, je l'ai banqué. Bon, arrête. Il est neuf. Il est neuf. Ouais, il est neuf. Tiens. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Je te dis, regarde. Ah, dame. Non, mais t'es sérieux. Tu l'as filmé? Oh, bah oui, j'ai filmé. Il m'a tué. Tu vas le voir, ça, là. Ah, je l'ai manqué. Bien joué, Damien. Non. Ok, RB à gauche et à droite. Sérieux? Comment le 12-15 kilos. Tu t'avais amené? Ouais. T'as un fiche? J'ai un fiche, je crois. Non. Si, si. J'ai un petit fiche. Ah ouais? Oh. T'as un pike. Tu vois, je t'ai dit, je prenais les tapes à la descente. Non. Trois morts, carrément. Non, mais c'est pas abusé, franchement. T'es allé où l'épisode derrière toi? Tu veux l'épisode? Oh, le tirage. Tirage. Oh, voilà, il a pas de jus, mais par contre, il va mettre un peu de. Là, il va trop mettre un. Eh bien là. Il peut y aller. Hein. Petit garçon. Ouais, y aller. Ah, c'est maillé ça. Ça m'a l'air maillé. C'est bien. Avec plaisir. 45. Ouais, 40-45. Je sais plus. C'est ouf. Ouais, j'ai vu. Non, mais par contre, ce qu'on a vu, c'est que tu peux, avec ça, tu peux passer, tu peux avoir 4 mètres d'eau, le poisson il peut être collé au fond, il monte. Ah bah oui! C'est impressionnant. Ah oui? Le poisson il se décolle complètement. Ah, c'est la boîte à boîte. Non, c'est vrai? Vidéo, ouais, putain, je vois, j'en ai plein. La pêche! Yes! Putain, bonne! Ouais, je l'ai. Est-ce que c'est même? C'est même. Ça, ça a l'air pas mal. C'est un beau fiche. Un petit mal le maillet. Ouais. Bien tu vois, j'ai changé de l'air. Je me suis dit, je vais passer avec le pulse. Et voilà. Voilà. Oh, peine maillet. Si flottin quoi. Voilà. Ça fait plaisir quand même. C'est le 18e. Voilà. Yes. Perfect. Bon les gars, là c'est la fin, là. On s'amort plus. Du coup, eh bien, on va aller. Oula. On va aller chercher les poissons. Avec nos pieds. Ah. Voilà. Oh, elle est froide. Oh que ça fait du bien. Et oui, on est au mois d'avril et il fait 25 degrés. Par contre l'eau elle gèle. Elle te gèle les yep. Ça c'est bon ça. Vive la pêche. Ouais, sur cette petite interlude, on attend que le vent se lève et puis on va repêcher. En fait c'est trop lourd 21, il faudrait 15. 14-15 ouais. Fiche. Ah, non. Pas avec paire. Non. C'est une paire, je pense. I think it's a perch. Oh, pike. Wow, this is a siphonette. Oh, viens pas vers. Ça sert à se fatiguer. Ah oui, regarde. Gadi. Oh. Et le 20e. Assis sur le côté. C'est n'importe quoi. Parfois, ça sert à rien de pêcher gros. Là, on est assis, les pieds dans l'eau. Et voilà. Le petit pulse tail Berkeley. 21 grammes. Et juste avant, Axel en fait deux. Et il a perdu son leurre.
La déprime. Tu sais, la déprime. T'sais. Et il a perdu son leurre. C'est le drame. Par contre, ne me mords pas les yep. Je vais vous le montrer rapidement. La savonnette. Voilà, petite savonnette. Allez, vas-y. Ah. Il est là, là, regarde, tu vois. Superbe ça. Avec un nom Angoulême. Ah yes. La Touvre, c'est là où il y a les truites, non? D'accord. C'est vraiment magnifique parce que t'as vraiment des scotches ultra sauvages, quoi. D'accord, ah ouais, en flotte tube en plus. Ouais. En flotte, je passais dans des bras de la Charente, en fait ça passait que dans des propriétés privées. Ah ouais. Donc en fait t'avais vraiment aucun accès du bord à part les gens qui habitaient là. Quoi. C'est ouf. Donc ça faisait des petits cours d'eau de 3 mètres de large. Puis ça variait entre 50 cm et 3 mètres de fond. D'accord. Mais magnifique. Tu m'étonnes. Il y a des petits barrages, descendu de flotte tube, je passais le barrage. Excellent. Je suis dans le... Oh, oh. Non, non, c'est pas. Ah, si, 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 c'est correct. Si. D'avoir tes pieds, fais gaffe, tu vas sonner. Oh là là. Oh la zizounette. On passe en aquarium. Voilà, décroché, parfait. Ah bien. Et va voir tes pieds, va sonder. Vous allez noter ça les gens. Et va voir mes pieds. Qu'est-ce qu'ils ont mes pieds? Ils sont beaux mes pieds. Et toujours avec ce leurre imprononçable. Plus tel tout. Non, le plus spintail. Le plus spintail, voilà, de chez Berkeley. Voilà. C'est pas mal. Il existe en 21, 14, j'en ai plus, et 9 grammes. Oh, je suis fatigué. Allez, zizounette, repars vite. Et n'aie pas peur à mes pieds. Non, mais par là. Non, mais par là, il est bête. Hop là, hop là. Il est chaud. Hein. Aïe. Ah. Ouais, boum. Marie-Gaon. J'ai barre là, dans les vagues. C'est ça. Raté. Ouais, poisson. Ouais. Oh non, c'est petit. Pour moi, c'est plus, ça se débat pas, donc comme tout à l'heure, c'est... Une zizinette. Oh. C'est le 22e. Allez, décroche-toi. Touch de leader, touch de leader. Décrocher le touch, je vais décrocher avec moi. Ouais, comme ça, c'est fait. Allez, 22e. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Un voilier, un. Oh. Presque. Ouais, je connais. Mais. Je sais pas si tu as fait couler ta vue. On a déjà fait couler un là-bas. Ouais, je sais. On fait tomber dans la poche. Fiche. Ouais, elle est bien ça. Ah, non, non, non. Non. C'est bon. C'est le il me l'a jeté dans 23e. Dans nice. Il me ressemble, l'a jeté dans la gueule. Pulsade. 23 poissons. Allez, ça y est, ça touche à sa fin. Je vais vous montrer les trois leurres avec lesquelles j'ai pris le plus de poissons. Le pulsade en 14. Voilà, ce coloris-là m'a permis de prendre beaucoup de poissons. C'était pas des gros, mais bon, c'est comme ça. Je vous en avais parlé dans les vidéos précédentes. Le Dex avec sa tête en tungstène. Et s'il te plaît, ça s'appelle comment? Spin Pulse Tail. Le Spin Pulse Tail. Le Pulse Spin Tail. Pulse Spin Tail. Bon bref, leurre à palette avec un jig devant de chez Berkeley. Pas mal. En tout cas, c'était vraiment cool. Les gars, merci beaucoup. C'était vraiment sympa. Ben ouais, c'était cool. J'espère que voilà, la prochaine fois, on fera des plus gros poissons. En tout cas, on a fait quand même 23 poissons, pas 24. 23 poissons, pas 24. Dommage. Mais... Si, la petite perche est contente, hein, celle que t'as prise, non? Ah, peut-être, effectivement.
Et du coup, ça s'est plutôt bien passé. Donc, félicitations à Damien qui a fait un 120 plus, enfin 120 pile. Donc, vraiment GG à lui, c'est vraiment beau. Ouais. Alors qu'on y était sur la zone, quelle horreur. Mais c'est la pêche, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à aller voir l'Insta de Bill et l'Insta de Axel qui sont directement dans la description. Continuez à pêcher, kiffez la pêche. On se retrouve très bientôt. Au revoir. Bye bye.